etc. Donc voilà, quoi d'autre? En gros c'est ça, Twitter, Dr. Guy. C'est pas les... Voilà, laisse tomber l'arcade. Ouais. Et voilà. En gros c'est ça. De la communication. À la base, c'est une formation en marketing. C'est tout. Okay. Donc, email, je me suis formée en e-management à la base, mes études sont en e-management. Ensuite, j'ai travaillé un peu en communication et web marketing au sein d'une société industrielle. Je suis là aujourd'hui car je suis intéressée par ce métier. Ça ouvre des opportunités. C'est un peu plus fréquent que le caméra. Ah, d'accord. C'est le caméra. Voilà. Téléportage du matin. D'ailleurs, ils ne pas porter chez les gens. Ils sont comme les commentaires. Quand est-ce qu'ils ont été là? Il y a beaucoup de travail de planification aujourd'hui. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais fait une sorte de calendrier. De poste et de tweet par semaine. Donc disons 5 tweets par jour et 3 publications sur Facebook. 3 tech. Donc elle trouve des trucs que Emma de la Watch, bien sûr. Pardon, tu sais, Sarah, oui. J'ai une question. Comment tu fixes tes heures? Donc déjà, elle ne fait la petite j'ai trouvé une plus grande à partir du contenu. Même, elle ne fait pas tâche, j'ai une même Watch à voir. Il y a même pas en trace avec Watch à voir. Ah, trop pas, c'est pas les Watch. Allez, vas-y, comment aller? C'est déjà fait. Merci. Une infobésité. Schnee est l'infobésité et il y a le surpion. Il la reçoit un peu partout, sur Facebook, Twitter, Google+, il la reçoit sur les mails, enfin il y a des statistiques qu'il y a de la Wachoya. Je t'indique pour quelques qui reçoivent jusqu'à 100 mails par jour et le 1/4 n'est pas lu. Ça c'est pour les informations. Marita, comment se passe une journée de travail pour celui qui cherche une information? Elle est juste en bas de la marque Twitter. Sinon, il y a 33% uniquement qui lisent des contenus reçus jusqu'à la fin. Marita.